Salut à tous, c'est Zoom5, je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter le nouvel agent qui est sorti sur Rainbow Six Siege, Oryx, voilà. Allez, c'est parti, on va custom. Ah oui, mais c'est vrai, maintenant ils ont complètement enlevé la coque sur Doc. Ah non, maintenant ils l'ont pas enlevé, je suis bête, attends, je sais même plus. Ça fait un mois que j'ai pas joué R6, donc... je vais mettre l'holographique, le réflexe. Je vais mettre le holographique, allez. Donc que le réflexe en vrai. En vrai, non, je vais laisser le réflexe. C'est le mec qui sait pas ce qu'il veut, t'es. Hop. Après, je vais mettre le skin d'arme. Je vais mettre ma Pro League. Voilà. Pronantif, je vais mettre le pronantif de la saison dernière. Hop. Voilà. Ensuite, elle a le Space 12, le pont de Valkyrie, quoi. Enfin, il a le Space 12. Là, je vais mettre quoi comme skin? Non, bof. Je vais mettre ça. Là, je vais mettre le pendentif platine. Moi je mets toujours sur mes sur les nouveaux agents, sur les armes comme pendentif, je mets toujours les pendentifs de la saison dernière, quel grade j'ai été, tu vois. Là pour l'instant je suis non classé, j'ai fait 0 classé. Là au moment où je vous dis, enfin au moment où je tourne la vidéo, j'ai fait encore 0 game. Là je viens juste d'arriver sur R6, je viens juste d'installer la mage. Je vais mettre ça. Allez, hop. Ça c'est le skin d'arme du season pass, celui-là, si vous le trouvez stylé. Bah voilà, c'est tout. Bon, et aussi il y a le skin d'arme de tête. Voilà, je les avais déjà équipés. Donc vous les avez normal, si vous avez le season pass, vous avez celui-là. Voilà. Et uniforme, c'est la même. Celui de base avec le season pass, comme ça. Il n'y a pas un grand changement, mais bon. Voilà. Moi je vous dis merci. Re tout le monde, alors du coup on se retrouve comme l'autre vidéo quand j'ai présenté Yanara un petit peu après. Alors du coup je vais vous finir de présenter Oryx, le défenseur. Du coup, boom holographique, poignée, ouais, voilà. Alors du coup il a la M5 de Doc et Rook, et le pompe de Valkyrie, le Space comme dans Fortnite, le Space 12. Allez c'est parti. J'aime bien Oryx parce que tu peux faire ça. Voilà. Non, en vrai, j'aime bien parce que genre, tu peux bousculer les terroristes, tu peux bousculer les ennemis. Je kiffe Oryx. Après, le problème, c'est quand tu joues Oryx, faut que dans ton équipe t'aies un doc. Obligé si tu joues Oryx. Parce que sinon, si t'as pas de doc, tu perds à chaque fois 10 PV. C'est bien, genre, de faire les rotations, des trucs comme ça, tu vois. Le doc, il a un petit doc et basta, tu vois. Assurer la sécurité de l'otage. On va faire comme d'habitude, on va barricader partout. Je vais essayer de pousser des terroristes, je vais essayer de pousser le dernier s'il est pas trop loin. Allez, c'est la phase de préparation. Oh non, c'est la phase d'action. Je pense que ça va me casser les couilles. J'ai même pas réussi à les avoir. Je kiffe Oryx. Quoi le son? Le son du jeu. Je
vous conseille le deuxième pistolet. À la suite. Otage ranimé par les agents. Ça pousse pas la tête. Voilà. L'ennemi se regroupe, protégez l'otage. Ce pistolet il est bof. Bah genre celui-là il est bien, genre quand t'as pas de grenade à percu, des bails comme ça tu vois. Il est pratique pour ça. Mais sinon bah... bof. Et tu peux tirer que près quoi, c'est un pistolet en mode fusil. Petit l'avantage de Rix, tu peux certes tu peux traverser les murs et tu peux monter les trappes aussi. Soit tu peux juste t'agripper comme ça. Voilà, après monter. Ou soit bah tu peux maintenir. Et là, ça monte directement. Après, je sais pas trop pour Xbox, s'il y a des joueurs Xbox qui me suivent. One tap no scope, je vais. Aussi Oryx il est bien genre contre les boucliers, des bagues comme ça. La menace a été éliminée. Il est pratique. Genre tu vois un bouclier se met devant toi, je pars, tu vois, tu éjectes. Renforcer la zone, les ennemis se regroupent. Soit tu les tires dessus ou tu que t'es prêt. S'il y a des boucliers, je vais essayer genre de pas tuer le bouclier qui essaie de se cacher et puis je l'éjecte s'il y a personne. Je vais essayer de faire ça. Je dois vous montrer. Et moi aussi j'aime bien en train de péter tous les meubles, des trucs comme ça, tu vois. Passer même des fois je le fais. Insertion ennemie, tenez-vous prêt pour l'engagement. Vous avez été repéré par l'ennemi, repli. Si c'est bien genre quand tu veux être rapide alors qu'Orix il est bof bof tu vois. C'est ça, pour gagner un peu de vitesse. Il y en a un qui est là. Oh, je vais lui rentrer dedans. Salut, c'est Pascal. Attention, offshore à l'otage en visuel. Otage à terre, laissez partir ennemi. Ah, vous me cassez les couilles là, ce mec d'œuvre là. Oh, lui, je sais pas où il a essayé de poser sa truc, mais bon. Otage ranimé, assurez sa sécurité. Arrêtez de tout faire péter, ok? Les derniers. Ah là j'aurais dû garder le bouclier. Il est où? Bébé miaou. C'est sûr que tu vas te relever. Miaou. Ennemi neutralisé. Putain je kiffe Oryx. L'ennemi se regroupe, sécurisez la zone. On va reprendre des balles. Aussi genre quand il y a un gars qui te met une barricade, tu vois, tu tapes dedans, tu fonces dedans, puis ça l'éjecte aussi. Après je pense que vous connaissez déjà, je tourne la vidéo en retard, donc je pense que tout le monde connaît, tous les joueurs qui suivent, qui jouent à Rainbow. Chose à faire de louper son Oryx contre un bouclier. Oh j'ai raté mon Oryx, c'est sa mère. Oh mais ils étaient tous là. Rip. Bon, allez maintenant on va essayer. Bah, je vais vous montrer le pompe avec l'autre pistolet.
Allez, on se retrouve à tout à l'heure. Allez, retourne. Alors, du coup, hop, on va tester avec le space et le pistolet. Ah, j'ai vu déjà ce meuble là. J'ai juste un peu à chasser autour de tout à l'heure. Surveillance ennemie dans ce secteur, repliez-vous. Vous avez été repéré par l'ennemi, repliez. Ce secteur est couvert par l'ennemi, repliez-vous. Attention, hop fort à l'otage. Pas grave, vous me cassez les couilles. Souffrez, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça, qu'est-ce que? Ouais, fumer, ouais, t'as raison, on va fumer. J'ai les yeux sur la. Mais trop bien ce pompe! Recours, moi qui joue jamais ce pont. Après déjà ils ont changé de logique parce que tout à l'heure genre ils venaient tous par la fenêtre là puis là ils venaient une par ailleurs, tu vois, ça change. Avant genre ils venaient toujours au même endroit, tu vois. Ça, vraiment, c'est un truc qui est bien, c'est qu'ils ont réduit le nombre de nitro, puis ces putains de gros kamikazes là. Ça, c'est bien ça. Enfin, ça date, mais ils l'ont enlevé maintenant. Je tenais juste à le rappeler. Plaisir. Nikom Mok. Ouais, pratique. Voilà, tu vas faire direct. Ah, l'autre là, il va partir les couilles là. Il est rentré. La menace a été éliminée. C'est un fou lui. Il est dans le télé comme ça. Renforcer la zone, l'ennemi se regroupe. On a ranimé l'otage. Ah, c'est pratique, vous voyez, j'ai sauté, je suis remonté par la trappe, c'est rapide. À la place de faire tout le tour. Par contre, j'ai fait de la merde là. J'aurais pu. Par contre, on peut pas éjecter deux personnes collées. Genre, tu peux éjecter qu'une personne. Tu peux pas éjecter les deux. J'ai déjà essayé avec des potes. C'est mis en perso, genre c'était Montagne IQ. Il y en avait là et l'autre juste à côté collé. J'ai pensé ça éjecter l'IQ. Alors j'ai bien été au milieu quoi. La tête. Oui, je suis touristique court. À la chasse. Oh, c'est pas moi, je suis sûr, voilà, c'est pas moi. Tiens, chopez-moi, c'est fini, regarde-moi ce que je te fais. Oh, ok. Ok. RIP. J'ai fait que de la merde. J'arrive plus à pousser, je sais pas, je vais pas pousser, j'ai pas avancé. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. Et restez confinés, restez chez vous. J'espère que vos proches vont bien. Puis voilà.
Bon, ben, merci de regarder la vidéo, puis moi je vous dis ciao ciao.